Où je habite, où tu habites, où nous habitons, où nous vivons. Ok? Vivre, c'est un peu comme le verbe vivir en espagnol. Vivre, vivir. Nous vivons, vivimos. Ok? To live. Donc, voyons à quoi ressemble le monde. Ici en particulier, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il fait chaud? Ou est-ce que il fait froid? Dites, est-ce qu'il fait chaud? Oui ou non? Oui, il fait chaud. Comment est-ce que vous savez que s'il fait chaud, que c'est chaud? C'est parce que le papa et la maman et les enfants, ils portent des t-shirts. Oui, des t-shirts. Sauf elle. Elle a les manches longues, ok? Mais maman et frère et papa, tous eux, ils portent des manches courtes. Oui, c'est court. Petit, ok? Ok, je crois que elle a les manches longues pour ne pas se mouiller avec de l'eau. Oui, pour ne pas avoir de l'eau sur les bras. Mais maman et son frère et son père. Le père, le papa, ils ont chaud et c'est pour ça qu'ils portent des t-shirts comme ça. Et je crois qu'ils portent aussi des shorts. Des shorts. C'est parce qu'il fait chaud, oui. On ne porte pas des shorts quand il fait froid. On porte des shorts quand il fait chaud, oui. Et ils sont à la rivière. On ne va pas à la rivière quand il fait froid. Oh non! Oh là là, non, non, non! On ne va pas à la rivière quand il fait froid. Ce n'est pas une bonne idée. Oui, vous avez très bien remarqué. En plus, je crois qu'il y a un peu de soleil. Oui? Parce que nous voyons pas mal de lumière sur leur visage. Le soleil qui brille, sol, soleil, oui, il y a un peu de soleil. Ok. Voyons, on va tourner à la page 50. À la page 50. Vous voyez le numéro 50. Ok. Donc, regardez par la fenêtre. La fenêtre. Ok. La fenêtre. Regardez par la fenêtre. Ok. Qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vois les immeubles. Oui, beaucoup d'immeubles. Et des plantes. Il y a une plante là. Une plante là, des plantes, oui, mais surtout les immeubles. Oui, parce que j'habite dans une ville, a city. Ok? Donc, il y a beaucoup, pas un peu, beaucoup d'immeubles. Beaucoup d'immeubles, oui? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Par la fenêtre. Vous allez dessiner ce que vous voyez, comme moi. Voyons. Je vais prendre un crayon et je vais dessiner les immeubles comme ça. Les immeubles, oui. Comme ça. Il y a beaucoup d'immeubles dans mon quartier. Beaucoup d'immeubles. Ok, comme ça. Je vais prendre un stylo peut-être pour que ça soit plus foncé, plus facile à voir. Et il y a beaucoup de fenêtres dans chaque immeuble.
Oui, ça c'est ce que je vois par la fenêtre, les immeubles, ok? Voilà, comme ça. Et comme je vous ai dit, j'ai vu aussi des plantes. Une plante, une plante, une plante, une plante, ok? Je vais dessiner les plantes aussi, un peu de plantes. Voilà comme ça. Des arbres. OK. Et les fenêtres des immeubles. Voilà. OK. C'est ce que moi je vois. Peut-être vous voyez d'autres choses par la fenêtre. Peut-être vous voyez des maisons. Peut-être vous voyez le jardin, the garden. Qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre? Ok? Dessinez ce que vous voyez par la fenêtre. D'accord? Ok. Donc, nous allons tourner la page. Ok. Et maintenant, nous sommes à la page 51. 51. Ok? Et nous allons chanter ensemble. Chanter, toi et moi, ou bien vous et moi, nous allons chanter, ok, cette petite chanson. C'est au même rythme que Twinkle Twinkle Little Star. D'accord? Donc, c'est ici où je vis et joue. Où je travaille tous les jours. Voici ma maison, ma rue. C'est où mes voisins se rencontrent. Beaucoup de gens vivent près de chez moi. C'est ma belle communauté. Très bien, les enfants. Si vous voulez chanter encore, ok? Vous pouvez recommencer la chanson, ok? Utilisez les fonctions, les boutons que vous voyez en dessous de la vidéo pour remettre la chanson. Et maintenant, ce que nous allons faire, ok, c'est de encercler les mots que vous connaissez déjà. Par exemple,